J'ai jamais fait ça de ma vie. Je finis à l'hôpital, j'arrivais plus du tout à respirer. Là, je suis encore malade, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Madame Poisson. Ah mais non, c'est demain que j'ai rendez-vous. Bon, allez, Je je sais sais pas, pas, j'ai beaucoup on fait un bon trop live, hein, les gars. Hein. Allez, bismillah, bon live à vous, les mecs, on va s'éclater. Et puis showtime, hein, c'est parti, les potes. Hein. rejetez-moi sur un truc. Comment ça se fait à la télé? Il y a un truc, c'est l'équipe. Je pensais qu'on allait avoir des photos, en fait. Le sport. Je peux en péter un gars. C'est pas elle? Elle a mis le cœur pourtant. En haut à gauche, tu m'as dit. Ah, Kanaka, il m'inspire. Il y aura une MC, t'inquiète, on a du lourd ce soir. Il y aura... Je vais juste voir un peu ce qu'on a ce soir. Pour voir si on peut avoir potentiellement une belle MC. Je vais aller dans les bas-fonds, un peu comme sur Twitch, tu vois. Tu vas dans les bas-fonds, là tu trouves des trucs de ouf. Je vais aller tout en bas. Des personnes qui ont zéro viewers. Oh, il y a tant de monde qui stream, putain, c'est incroyable. Alisson. Lui, on l'a déjà eu, c'est le compère de machin. Bon, on verra Justine si elle est là, les gars, ou sur qui je vais l'envoyer, mais vu qu'on a Choupa. Choupa, j'attends, je suis en train de chercher une fille pour Choupa. Alisson. Bichette, la petite Bichette, est-ce que t'aimes bien? La blonde Bonjour, rouge à ce lèvres. matin, c'est un Alors désastre. elle est magnifique. Un Ça va, petit air de Jeanne Masse, ça peut te plaire, ça, non? Bah, je sais pas si t'as connu Jeanne Masse, mon petit Choupa, je pense pas. je Toute première fois, toute première fois. Arrête. Il t'a répondu, Bichon? Bah, il est revenu, je suis con. En haut, la blonde, Pourquoi il attends. m'a répondu? Bah, je sais pas, il m'a Tu veux pas pas aller sur écrit, elle? donc Oh, il putain, m'a t'es pas là. chiant, je sais pas. Attends. Angers, je suis vraiment calme. Et j'ai le temps pour me foutre de sa gueule pendant un mois là. Allez, reviens, gros. Non, j'attends le live que tu veux. C'est lequel? Bon, allez, je crois que je remonte tout. Ah, t'es chiant, je sais pas. J'avais tout descendu. Alors, c'est laquelle? Tu penses que c'est un infiltré, Jobijoba, Ritano? On parle d'un rouge à lèvres. Elle? Elle nous connaît, elle. C'est le fameux Ah. cuir à Bon, allez, vas-y, je parcourir vais m'infiltrer sur celui-là, moi, par l'Italie contre. et même Je pas m'en tu te prends charge. la tête avec, tu vois, tu traces ta route, quoi. Même pas de ton Celui-là, il est regard, pour c'est moi, les quoi? gars. Moi j'ai appris un Robert, truc, Marco, t'as envie de... Marco il a envie de dire un truc. Jérôme, Non, ta tranquille, business j'écris, moi j'essaie de couper le moins possible la parole. Comment? J'essaie de couper le moins possible la parole. Je sais que je le fais beaucoup de base, tu vois. Alors... Ouais, tranquille, on n'a pas discuté, frérot. Pas de problème. Putain, il fait Mais jour ici. celui-là, c'est il y a pour moi, juste les un gars. truc que je voulais raconter, moi. Pendant que je suis pas trouvé une meuf. Il y a juste un truc. T'as vu mes stories? Non, j'ai pas encore regardé, Narco. Pardon, excuse-moi. Du coup, j'ai pas capté parce que j'étais dans le truc. Non, mais il y a juste une anecdote que je voudrais raconter à Valentina et puis à vous en même temps, évidemment. Avec C'est plaisir. que, tu vois, quand tu tra si tu veux, genre, blesser quelqu'un, et je l'ai. Tu sais quand on dit le silence est le meilleur des mépris? Sans déconner, je te garantis que c'est vrai de chez vrai. Parce que je l'ai testé, c'est testé et approuvé. Et ce que je peux te dire, c'est que la seule fois où je me suis frité, que je me suis battu, c'est Et parce que le ben. gars en face de moi, il fulminait. Tu vois, il fulminait, il était fou, il voulait se battre avec moi à tout prix. Vraiment. Et ce qu'il a vraiment fait sortir de ses gonds, ce qui a fait qu'il m'a frappé, c'est qu'en fait, Pardon. je ne l'ai pas calculé à un seul instant. Enfin, je suis resté de marbre, en fait. Tu vois? Même pas, je parlais. Et le mec, il me menaçait et tout physiquement. Il a cassé une bouteille sur un muret. Il a mis là. J'ai pas bougé. Il est devenu fou. Et ça l'a vexé. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il m'a mis une droite.
Bon, il m'en a mis qu'une, mais tu vois? Et ouais. Et ouais, parce que toi, tu dis rien, tu cumules de ouf, quoi, tu vois? Après, je suis parti en mode shaitan, quoi, tu vois? Mais bon, c'est pas une référence. Mais n'empêche que quand une personne cherche à te blesser à tout prix, tu l'ignores totalement, mais genre, excusez-moi, on se connaît, ou même pas, tu sais, tu l'entends même pas, pas tu le vois pas. C'est ça, tu te fuis. C'est même pas tu te fuis, c'est que tu le fais comme si c'était une vitre sans une vitre. Et je suis d'accord avec toi, Jérôme, sur ce coup, parce que tu sais, de base, alors oui, malheureusement, c'était comme ça à l'époque, Dieu merci, j'ai changé. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas, hein. Bien sûr. J'étais vieux, les gens comme ça, les mecs qui rentraient en conflit, moi je parlais pas, je rentrais dedans. J'avais ce problème là, c'est que je parlais pas et je rentrais dedans, je leur cassais la gueule. Et après, je me disais, ah, merde, mais en fait je suis con parce que là je peux avoir des problèmes, tu vois. Et ça me fatiguait, tu vois, beaucoup. Et bah, c'est vrai que le fait de l'ignorer, pas l'observer, ça le rend fou. Et quand ils te mettent à première droite, alors là, mon ami, oh là là. C'est la fiesta boum boum là, non, attention. La vérité, l'excuse de la première droite. Je vais avoir un conseil qui énerve encore plus. Ouais. C'est cette droite là là. Esquivez là, la vérité, esquivez la première droite. Ah, ouais. Un fil de boule derrière. Ah, moi je peux dire esquivez la première droite, c'est magnifique. Je peux dire un truc avec avec la sécu là, ils nous ont appris des techniques. Oh putain, il y en a des belles hein. Non, je te jure, juste esquive. Bébé, la vérité, juste esquive. Esquive des droits. La vérité, la vérité, c'est exactement comme les mots et le silence, tu vois. Je vais les terminer, en fait, les gars. Grave avec les mots, tu peux faire du mal. Grave avec le silence. Bah, la vérité, en combat, ce qui fait le plus de mal, c'est que tu sois supérieur à l'autre. L'esquive est meilleure que l'attaque. Hein. Ah, bien l'esquive sûr. L'esquive est meilleure que l'attaque. Bon après, il faut qu'il mette une seule droite, mais correctement. Parce que s'il n'avait pas correct, généralement, après, il pleure. Il va chez le dentiste pour remettre un appareil dentaire. Mais, ah ouais, c'est ce qui s'était passé pour moi. Je l'ai mais fait. Ah, ok. Teddy. Oh, Teddy, un motard. Enfin, on est là, un motard. Ah, on non, l'a il n'est pas motard. Mais Ah, t'es pas motard. Oh, désolé, excuse-toi. Non. T'as loupé la meilleure. Faut être motard. C'est la... Ouais, attendez, les gars, je cherche Jérôme, un compte. J'ai une question. Tu connais un petit peu là, t'es dans le milieu de la moto ou bien non? Non, mais je suis intéressé. Par contre, si tu es fan de moto, moi j'ai quelqu'un qui vient souvent dans mon live. Et je pense que tu vas. Ah, il y a des grandes chances. Ouais. Je vais voir juste si Jérôme il connaît ça, ce nom-là. Vas-y. Dis-moi. Attends. Ah, bah oui, il y a Damien qui est motard. Salut tout le monde. Salut Damien. Ça va? Tranquille et toi? T'as vu, ta case, elle est grosse, GG, par rapport aux autres. Il n'y a pas VIP, là. Oh, le Tourist Trophy. Ah, GG, il est bien vu. Ah, Damien. Eh, hey, motard, bon, à toi, mon ami. Vais à toi, mon ami. Bah, attends, regarde là ce que je suis en train de remonter. Attends. Attends, faut juste que je me mette en charge parce qu'il n'y a plus de batterie. Attends. J'ai installé un guidon droit là-dessus. Ah, bon, mais au reste de l'équipe, Joker, c'est ta team, Joker? Non. Savoir. Ah, tiens, regarde ce que je suis en train de remonter. T'es dans la team Joker, c'est ça? C'est une erreur, ça. Ouais, c'est un R1. Ah, t'as vu, je l'ai retenu au phare. Avec un guidon droit, les gars. Moi, je suis de la BAC, pas du tout, Joker. Pas du tout, pas du tout. Oui, Jérôme, il est de la BAC, il est niveau des stupes. Fais attention, mec. Par contre, il n'a pas répondu à ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il fait partie de la team entre Valentina et Jérôme, je vais m'en faire de ce live, vraiment. Damien. Allô, je peux parler, s'il vous plaît. Dis-moi, Joker, on t'a posé une question. Voilà, est-ce que tu fais partie de la team Joker? Oui ou non? Attends, je me cache parce qu'il c'est encore. Parce qu'il y a une team Joker aussi. Joker, réponds à la question de Valentina. Est-ce que tu fais partie de la team Joker ou pas? C'est quoi cette team Joker? Je sais pas, c'est Valentina qui demande. Non. Ça doit être encore des connards. Non, Jérôme, oui la ou question non passe. Est-ce oui, que tu c'est ça. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bisous, salut. Voilà. C'est salut. Tout. Je sais pas qui tu es, mais salut. Bonne Jérôme, route. La question de base, c'est est-ce que tu fais partie d'une team de l'OVU? Moi, je pense que non, parce que tout à l'heure, tu as dit les Lovouiens. Vas-y, les Lovouiens. Et Damien, moi, j'ai chopé une. Damien,
Ouais. J'ai pris une Kawa ER6N de 2007. Ouais. Pour débuter. C'est bien pour débuter un bicylium. C'est sexy. J'ai perdu mes glaouis sur la moto. Où j'ai mis le gueule. Ah, ça arrive, ça, c'est normal. Putain, je suis sorti de giratoire, j'ai mis gros coup de gaz, j'ai ouvert un gros coup de gaz. Oh, je suis monté à 100 en 2-2. Je suis dit, wow, ça marche. Bah oui, c'est déjà pas mal. Eh ben, vous, c'était quoi le nom que tu voulais me demander si je connaissais, au fait? Le Tourist Trophy, est-ce que tu connais? Oui, c'est une course. Ah, ouais. Jérôme, ça, c'est bon, ça, si tu connais ça. Je ne suis pas motard, hein, mais je m'y intéresse à la moto, ça me plaît. Voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien y aller en tout cas. Ouais. Bah, je bah, tu peux déjà réserver maintenant. Ouais, déjà j'ai payé la moto, frérot, aujourd'hui, ça m'a fait mal au cul. Il faut que je paye le bridage, il faut que je paye les pneus. Oui, 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 je vais piquer, là, j'ai payé l'équipement. J'ai marché. Chaque année, j'ai le bol d'or à côté de chez moi. Hein. Oh, ça, c'est beau le bol d'or. Eh oui. Ah, je vais m'arrêter là, Valentina. Tu m'as ah oui, t'es à côté de. Je suis dans le Var. Putain, je cherchais une photo là. Ah, ouais. Je suis à 40 minutes du Castellet. Ah, mais Castellet, je suis allé au Castellet avec Porsche Paris. Je suis allé tourner avec eux. Ils m'ont invité. J'aimerais bien rouler là-bas. Ça doit être pas mal. Ah, mais Castellet, mon ami, tu vomis. Hein. Alors, il y a une question pour toi. Ouais. Tu y allais changer quand les serrures? J'ai déjà dit cette nuit, 3h du matin. Je mets une photo d'un pote, au pire, c'est pas cramé. D'ailleurs, je vais vous laisser. 2 heures à attendre, tu vas être dans le coma. T'es moi, je vais pas tarder aussi. Moi, j'ai mes filles là. En plus, moi, j'ai ma petite qui a passé une mauvaise soirée. C'était pas cool. Hein. Pas cool, pas cool. Putain, moi, ce matin, mon chien, il m'a réveillé à 8h, cet enfoiré. Oh, il s'est tombé, je me suis demandé ce que c'était. Je me suis levé, j'ai même rien compris à ma vie. À 8h? Ben ouais, elle est venue me taper dans le lit là, elle est venue taper avec son museau dans le lit pour me réveiller. Ah super. Qui c'est qui me réveille à 6h? Alors, attends, je vais faire juste un essai les gars. T'es lâche ou pas? C'est bon, j'ai un compte. T'es un peu bidon, c'est ça? Oh elle, Choupa. Elle, c'est une teens. C'est une teens de compète ça, putain. Chacun son truc. Là tu peux y aller, hein. Tu peux foncer, hein. Y a de quoi faire, hein. Vraiment. Hein. En plus, elle joue à CS, à mon avis, à tous les coups. Oh, elle doit fumer, hein. Attends, j'y vais pour te faire le faire valoir. Il est chelou. Qu'est-ce que vous avez tous, là, avec Saint-Quentin? Ouais, ça va, quoi. Là, franchement, t'es pas mal, hein. Ouais. Ah, je voulais dire, t'as quel âge? Vas-y, virez-moi. Pourquoi? Quoi? J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas mis de boum boum. J'ai pas mis de boum boum dans ta chère grosse pute. Oh merde. Hey Greg, il y a quelqu'un. Razis Mono. Salut. Oh, il a là une armée de modos, les gars. C'est qui? Je sais pas. Bonjour. On va voir notre ami, les gars. Elle est sur mon vieux téléphone. Ah non, c'est mort. Elle déchire, les mecs. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est déjà venue. Elle fait plaisir à passer. Ah, j'ai réussi à récupérer, mais bon, c'est mon téléphone, il bug. C'est une caisse. On va la voir, les gars. Là, je suis passé chez iPhone. Vous allez voir, elle est super cool. iPhone, c'est de la merde. Ah non, celui que j'ai, ça va, il est bien. J'aime pas iPhone. Mais qu'est-ce que t'aimes bien, de toute façon? Je me le demande. Je confirme. Merci, Cupidon. iPhone, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, et pour info, ouais, elle est vraiment très calme, hein. Sinon elle aurait insulté tout le monde. C'est vrai. Elle est sous le monde de bâtard. C'est vrai. Je l'avais avant trop de restrictions. C'est vrai. Ouais, donc ouais, faudrait que tu me passes mon snap. Pas de soucis. Ouais. Et quand je vais dire aux autres que t'es venu là, ils vont dire « Oh là là, Pierrot !» Bah oui. Bah tu feras un bisou à tout le monde, hein. Y a pas de souci. Et tu feras un bisou à King sur ses petites fesses. Je fais plus de blague. il va kiffer. Je vais lui dire. Ah surtout si ça vient de moi, il va kiffer. Mais bien sûr que oui. Ah bah oui, mais je sais qu'il me kiffe. Hein. Bah oui. Tu le sais très bien. Bah oui. Tu sais que depuis.
Merde! Parce que j'allais dire, je voyais pas les secondes. C'est sympa que je vois rien. Alors là, il y a un bug. Attends, là, il y a un gros bug. Il y a un gros bug. Pas normal. Oui, Pierrot, je te disais. Merde, je m'en rappelle plus. Je m'en souviens plus. Mais dis oui, tu sais, et non, je sais pas, mais tu vas me le dire. Je m'en souviens plus. Oh, Alzheimer, c'est moche. C'est l'âge qui fait ça. Non, on a parlé de toi il n'y a pas longtemps. On a dit ouais, Pierrot et tout. Après, putain, dit, ça a bugué là. La toupie. Ouais, vite. Celui qui, celui qui m'appelait la toupie, c'est qui a dit qu'il voulait faire la toupie sur mon gag? Non, alors, c'est lui. Voilà, on est d'accord. Il voulait, il voulait prendre une chambre d'hôtel et tout. Enfin, il était chaud sur toi. Ah, il était chaud sur toi. Mais c'est moi ou elle a glow up, les gars, dans le chat? De me faire de me détourner de mon côté. Elle a vraiment glow up, elle était pas comme ça avant, je me rappelle. Ouais. Hein. C'est je suis un challenge de ouf pour lui. Ça lui va bien, les 13, non? Moi j'ai dit, hein, c'est mort avec Pierrot. Ah, moi j'avais confirmé, j'ai dit c'est. Elle a glow up, hein? Elle a vraiment glow up. Mais je l'adore quand même, tu vois. Mais... Ah ouais, c'est délire, je vais t'attacher à une chaise, je vais abuser de toi et tout. J'étais mort à chaque fois. Je me rappelle, il était chaud. Non, pas de prise de poids, je sais pas. Avec le confinement, tu penses? Ah là, ouais, il n'y a pas moyen. Tu la trouves comment, toi? Elle n'aurait jamais réussi à voir mon zizi. Bon, moi, je savais que c'était mort. Hein. De toute façon, à choisir, je préfère que ce soit toi qui abuse de moi. Oh, genre, fais pas la choquer. Putain, il me tue. MDR. Non, mais... bon, allez, non, encore, c'était pas moi qui la faisais bégayer le plus. Non, hein. Elle a pas grossi, vous trouvez. Il y en avait un des qui se pointait sur les lives, je sais plus son nom. Je pense pas. Mais toi, t'as raté, toi. C'est un gros fils de pute, lui, que tu me parles. Non. Hey, le mec, il est marié, poteau. Il est marié et tout. On a découvert ça. Voilà, il est marié. T'aimes pas les mecs comme ça en plus. Je te jure. Oh, quoi, là. Je voulais te parler. On se connaît, non? Hein? On me reconnaît? Oh, avant, quoi. On va aller. Comment ça va? Nos retrouvailles. Ah, ça fait plaisir. Attends, vas-y. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Eh, vas-y, direct, je mets le cœur. Je me suis dit, il faut que j'aille la voir, c'est la sœurette. Ça fait plaisir. Voir si elle va bien, plus le temps. Oui, ça va, et toi? Ouais, enfin, j'ai eu un petit mal de gorge, là. Je pense que j'ai une angine, là. Ça... Ouais, j'ai dû attraper un coup de froid, ouais. Eh, en tout cas, la blague, vous m'avez terminé, hein. Elle était énorme avec les mecs qui faisaient semblant de se branler. J'étais c'était excellent. Pas prête. Et ta réaction était franchement j'ai était extra. Je me rappelle, ouais. Non, parce que ça me manquait en fait de te voir sourire, rigoler. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je passais toujours de bonne humeur. Plus, avec elle, au moins, c'est sourire garanti. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé. Ouais, en plus, bah, nous, à l'époque, on était diffusé sur Twitch. Mais ben, j'étais banni de Twitch. Et maintenant, je suis sur YouTube. Ah, ouais, d'accord, ils ont fait des cons, ouais. Ouais, t'inquiète pendant pas, je vais 3 te mois, suivre, j'ai dû arrêter. Ça n'a pas été évident. Et là, j'ai repris. Donc, ça va, j'ai de la chance d'avoir une communauté des gens qui me suivent et qui s'abonnent. Et du coup, ouais, j'essaie de rebondir sur YouTube en espérant que ça dure. Quoi. Mmh. Voilà. Mais j'ai vu, hein, il y a toujours la vidéo, elle y est toujours. Hein. Ah ouais? T'as regardé? Yes. Parce qu'on est... Attends, t'es passé combien de fois? Deux fois ou trois fois, je crois. On a eu les deux, c'était trop marrant. Et okay. Vous, franchement, terminé. Bon, j'espère que ça va. Ils dérangent pas les mecs sur le haut. T'as pas des mecs charros un peu chelous Pour l'instant, toujours. Ça va. Ils ont pas encore montré leur tub, ça va. Pour l'instant, ça va. Hein. ils ont montré leur tub normal. Si ok, bah, si tout se passe bien sur tes lives, en tout cas, nous les faire un petit coucou et ouais, prends soin de toi, bisous. Hein. Ok, bon, on repassera alors. Hey, je te mets modo là. Ah là là. Ouais, Cupidon, tu vois, elle avait compris l'humour et tout. Sur YouTube. Maintenant, ma tête, elle est sur YouTube, wesh. Regardez la réaction des mecs, ça, c'est une femme intelligente, c'est une femme qu'il faut marier, les gars. J'étais pas prête, je te jure. J'ai hurlé, j'ai crié, parce que je pensais que le mec, ouais.
Franchement, c'est un bon délire. Hein. Non, vas-y, c'est des gosses. Oula. Excuse-nous, on fait une pause. C'est quoi ces guignols là, j'en ai pas mal. Arrêtez, bordel, c'est con, là. Le bordel. Ah, la bouche. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, ils sont plein en fait. Voilà, on est plein quoi. Le profil de mon pote, c'est tout. On veut juste parler en fait, t'as vu, mais ils font le coup. Y'a pas de soucis. Oh, bah, non, mais on fait le coup. C'est bon, on s'est trompé. Hein? Ah, t'es en train de faire une t-shirt toi? Bah oui. Ah, je veux bien venir pour un t-shirt, tu vois. C'est ouf, les gars, pas le physique, mais les gars, je vous assure, les fois, j'en ai terminé quoi. Tu viens avec ton t-shirt, on a la picole. Vas-y, tu prends ta lumière. Mais vous êtes d'où? On est du Nord. Et toi? Région parisienne. Hein? Région parisienne. Ah ouais, ça fait mal quand même pour picoler quoi. La région parisienne. Bah ça va. Attends, la barbichette, c'est pas validé ça? Quand même. On dirait qu'il a une petite chatte et tout. Non, c'était une meuf. Il y a une fille qui nous regarde ou pas dans le chat? Ça, est-ce que c'est excitant ça? T'es modo, tu peux les ban. J'avoue, je pourrais, mais bon. Comment? T'as quel âge? 33. Oh, ça va? Moi, 31. Ah, lui, il est 36, il est plus. Lui, il est vieux, il va se. Tu vois, lui, là, demain, il se marie. Ouais, on a son mal. C'est ouf, il a mon âge et il fait beaucoup plus vieux que moi. C'est incroyable, non? Voilà. Félicitations. Ouais, demain, elle se marie et là, on fait son. Je sais pas de quoi, là. Ah, attends, me dis pas qu'ils font son enterrement de vie de garçon, les gars, dans un. Cupidon, il a marqué félicitations à toi. Entre couilles dans le salon en train de boire des canettes de bière. Oh là là. Excusez-moi d'être dans le juging, les gars, mais. J'ai envie de rentrer comme le sketch exterminateur des inconnus et rafaler tout ça, quoi. Putain, excusez-moi, désolé. Et sur l'ovo en plus. J'avoue, sur l'ovo, t'as raison, ouais. Sur l'ovo. Putain, c'est ouf. C'est ouf. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Fake profil ou quoi? T'as 2 minutes pour me séduire. Speed dating. Des bandes avec bisous. Vas-y. Choupa, tu veux le tenter? Attends, mais je vais. Toujours pas ou quoi? T'es pas sorcier ou quoi? Non, moi, pas. Ah, d'accord. Je reviens, je vais chier là. Mais j'ai passé le. Oh putain. Bah écoute, vas-y, bonne soirée alors. Vas-y, bonne soirée à toi aussi. Merci. Il y aura des branleurs là, les gars, un live comme ça. C'est elle, la folle, elle termine tout le monde. Je pense, est-ce que les gars, je veux pas trop traîner, je suis pas, je pense que j'ai un petit coup de mou là avec la maladie. Vas-y, je vais faire quelques petites interventions avec toi, frérot. Et après, je vais démarrer une série que tu vas me conseiller, je pense, en off après sur Insta. Choupa, tu veux que je te fasse ton faire-valoir ou comme tu veux. Elle me déteste. Mais comment ça, elle te connaît? Comment ça, elle te connaît? Elle te connaît? Par contre, sur les photos, on dirait pas elle, les mecs. Hein. C'est incroyable comment une photo, un filtre. J'ai l'impression que toutes les filles aujourd'hui, elles se ressemblent avec les filtres. Il n'y en a aucune qui est originale et qui arrive à se démarquer, c'est ouf. À force de vouloir se maquiller pareil, full filtre, full fossile. Exactement, je suis dégoûté des mecs, ils me dégoûtent, fou, Alec, voilà. Je l'ai troll hier, mais putain, pourquoi tu l'as troll hier? Là, c'est trop. Ah, il voyait une chenille qui court après. Ça a dû. Par contre, si je fais de la guitare, les mecs, je vais faire des paroles sales, hein, les gars, je vous le dis, j'ai pas envie de faire genre romantique, ça va parler de Schneck. Hein. Ça va parler de Schneck. Je leur souhaite. Je te le dis. Je souhaite qu'une fille un jour, ils comprennent. Ce sont des copies conformes. Exact.
Et voilà, blonde. Elle va montrer quelque chose. Merde, elle m'a ban. Oh putain. Casse les couilles, sérieux. Oh, t'as pas un compte Choupa qui marche là, j'en ai marre. Ah non, c'est bon. Non, je m'en fous. Est-ce qu'elle a accordé ma guitare? I gotta get through this. Bon, bof, mais ça va aller. On va savoir si on a qui ont l'oreille musicale dans le chat. Est-ce qu'elle a accordé cette guitare? Pas précisément, mais ça devrait le faire, c'est pas grave. Je n'entends pas courir son cœur. Franchement, il y a des gens bien, il y a des gens malhonnêtes, tu vois. C'est les mecs, c'est du temps général, du global, c'est des mecs. Ils voient une chenille, c'est un folé. Ils en voient 4, ils perdent la vue. Ils savent pas se tenir. Ça va pas se tenir, c'est... Bien quoi, tranquille. Je sais pas, pourquoi j'arrive pas? On dirait que ça leur pique. C'est qui, ça? Voilà, tu montres un truc, je t'insulte ta mère, là. Salut. Oh non, 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 je suis pas là pour écouter la musique. C'est qui ça? Wesh la cousine, wesh bien ou quoi? J'ai envie de la terminer, j'aurais dû la... Tranquille, à l'aise, ça vient d'où? T'es tout pisté, les gars? À la base de... Putain, je suis pas, va à ma place, s'il te plaît, je suis tout pisté. On n'a pas des nouveaux intervenants ce soir, les gars, sérieusement? Des artistes à en devenir. Ah, dommage, voilà. Il faut revenir. Dommage, là. 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 Que des cassos, c'est ça. C'est toi le cassos, frérot. Mais c'est pas grave, t'as l'air gentil quand même. Tranquille, tu connais, c'est la street. Tu es d'où, de Toulouse? Je suis de Muret, moi, je suis pas de Toulouse. Et tu serais où à Toulouse? La Rainerie, Bagdad? La Rainerie, c'est le pire le quartier le plus moche, le plus dégueulasse, qui a aucun charisme, ouais, ce quartier de merde de Toulouse. Tu vois aussi ou pas? Tu vois? Oui, ça s'appelle le trou. Tu connais le LT? Tu connais le LT ou pas? Non, je connais pas ça. Tu connais les rappeurs de Toulouse un peu ou pas? Les rappeurs de Toulouse, c'est quoi? C'est juste, il y a juste Big Flo et Oli à Toulouse, non? Arrête, tu connais pas. On est d'accord, hein. Sinon le reste c'est de la merde. C'est moins zinc. Tu fais de la pub, tu connais. Tu connais, putain, c'est moi ou tous les jeunes parlent pareil, et quoi. Sinon, j'ai quel âge? Les gars, je crois que je vais partir en égo, ça me pétait un câble. 22 ans. Je vais péter un câble. C'est quoi ton style de mec, dis-moi? Parle-moi un peu de toi. Ton style de mec. Là, j'ai pas de style de mec, parce que les mecs, ça me dégoûte. Bah. Quoi, Zarma, t'étais venu. T'es devenu SBN ou quoi? Non, jamais. Arrête, jamais. Stop les mecs pendant un petit moment là, je pense. Non, mais tranquille, les mecs, ça dépend. Attends, tu as capté, voilà, c'est pas ils m'ont Ah, je suis sûr, ton style c'est les rebeux. Tu dis quoi? Ton style c'est les rebeux, non? Ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont éclatés. Hein. Et moi, je suis comment? Hein? Et moi, je suis comment, moi? On met de la sympa. En tout cas, voilà. Tu fais 1m combien, la couille? Je fais 1m67, et toi?
Ah, Zibi, c'est qui? Je suis demandé qui? Bonsoir. Ça va? Le prof. Ça va, tranquille. Tranquille, le prof. Eh, le S, tu dragues partout, toi, je te vois partout, sur tous les lives. Eh, moi, je suis trop connu sur le bout, on me dit tout. Ah, le S, il est partout, il drague toutes les meufs. Ça fait pas longtemps que je suis sur l'application. À chaque fois que je monte sur un live, il drague des meufs. Qui, moi? Non, je crois que c'est un autre S. Mets-moi sa tête, il rigole, ça se voit, c'est un menteur. Ah oui, je le sens, tranquille. Regarde-le. T'es tout pisté, gros, t'es tout pisté. Non, moi, il va être tranquille. À chaque fois, tu fais le même coup. Tu montes, tu dis à la meuf, ah ouais, toi, t'aimes bien les rebeux. Si elle dit non, tu dis, ah ouais, tranquille, et tu pars. Et si elle dit oui, tu dis, ah ouais, moi, tu me trouves comment? Tu fais tout le temps la même technique, gros. C'est pour ça. Ça arrête, mon ancien prof. C'était pisté, gros. Ça sert à rien de faire ça. Ah, mais frérot. One on one. Je crois que je lui ai niqué son coup. One on one, les gars. Bah, il avait rien du tout. Ouais, je suis en technique hacker isolement là, du coup. Donc, ça va toi sinon? Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça vient d'où? Du sud, et toi? Moi, de La Rochelle. Ok. T'habites où à La Rochelle? À Mireuil, pourquoi? Non, comme ça. Ok, bizarre. T'as quel âge? 21 ans, attends. Tu me donnes quel âge? Elle est charmée, non? 22, 23. Ouais, j'ai 23. Okay. Bon, du coup, je suppose que t'es célibataire si t'es ici. Exactement. Tu te fais pas trop chier en vrai? C'est doux. Tu lives souvent ou pas? Mais comment il fait, je ou pas? Ouais. Tu dois tomber sur des cas de fou, non? Je t'en parle pas. Ouais, en vrai, moi je plains les meufs ici. Parce qu'en vrai, elle remue le nibar, les gars. Et des mecs comme Youssef, comme le S. Mais je le connais pas en fait. Ils sortent leur barata. Ouais, moi je vais mettre la bague au doigt. J'ai le 3 le 3 anneaux. Non, nanana. Justine est plus belle, les gars. Arrêtez. Je fume pas. Tout le temps, ils font tout le temps ça en fait. Dites la vérité, les gars. Genre, on est tous là pour la même chose. Vous allez pas dire qu'elle est plus jolie que Justine, les gars, dans le chat. Ils font des locations pour aller chercher des meufs. Voilà, c'est ça. Ils font tous ça. Après, ils louent un Airbnb, ils snap. Ils font croire que c'est chez eux. Et puis voilà. Elle se doit, tu crois. À mort, je te jure que c'est vrai en plus. Ça me tue. En étant honnête, non, j'aime ça pas. Rien, les gars, dites directement qui vous êtes. Vous inventez pas une vie, la meuf, elle va le savoir tôt ou tard. Soyez naturel, ça sert à rien de vous donner un style que vous n'êtes pas. Vous êtes pas, ça sert à rien. Vraiment. Enfin, bref. Moi, j'en connais un et plus gros mytho du monde, y a pas. Hein. Qui ça, un mec sur le live? Non, un mec sur le live. Ah, après, moi, je t'ai dit, ça fait pas très longtemps que je suis là. Moi, ça fait. C'est le niveau de préda, frère. Moi, ça fait une semaine que je suis ici, donc je connais pas trop. Il a trop la haine. Voilà, en plus, il est en train de m'envoyer des messages. Les gens m'envoyaient avec lui, en plus. T'as déjà rencontré des gens de Lovu dans la vraie vie ou pas? Ouais, je connais plein de gens de Lovu sur la vraie vie. Et t'es tombé sur des fous? Ça va, ils sont tranquilles, en vrai. Non, en vrai, c'est mes collègues. Mais ça, t'as capté. Mais ça, mais t'as jamais rencontré un mec vous avez tenté quoi que ce soit? Ah ouais, elle fait trop la rebeu. Alors qu'elle s'appelle Charlotte, ouais. Attendez. Et t'es d'où, toi, dans le sud? Je m'en préserve. Je suis de Biarritz. Enfin, je vais checker quand même son Insta pour voir. J'ai fait du surf là-bas. Ah ouais? Bah, c'est pas mal, Biarritz. Vous avez le beau temps et tout. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est bien là-bas. T'as un beau cadre de vie et tout. Exact. Et tu travailles dans quoi? T'es étudiante ou? Là, je vais passer une formation pour devenir prothésiste angulaire. C'est quoi? Ah, ok. Ah oui, stylé. La manucure et tout. Non, vite fait, les gars. Ouais, franchement, entre Justine et elle, les gars. Ah ouais, c'est cool, t'as des projets. Elle est full filtrée, les gars, sérieux. Bah, vous me décevez. Ça va le faire, alors. Tu commences quand, la formation? Eh? Tu commences quand, la formation? Normalement, je la commence en janvier. Ok. Bah, j'espère que ça va le faire, hein. Vous me décevez, ouais. Les gars. Tranquille. Après, si t'as déjà de l'expérience. C'est toi qui as fait les tiens, là, ou même pas? Non, pas du tout. Ok, je vois. Moi, je vais décaler, moi, il est tard et tout, je suis fatigué. Mais je fais comment si je veux t'envoyer un message en privé? C'est moi qui décide. Ah, vas-y, bah tranquille, tu décideras alors. Désolé. T'inquiète. Voilà, ouais, fais pas le nidi, voilà. Mais... Vas-y, voilà. Bonne soirée, bisous, salut. Voilà, Choupa, montre-lui. Tu vois, ça, c'est un mec bien, un garçon bien. Très poli, très sage, très. Tu vois, c'est pas. Oh, nique ton mère, de pute. Dit-elle. Quelqu'un avec qui tu peux parler. Dit-elle alors qu'elle est comme ça, elle. Justine en PLS, arrête avec Justine. Je vais chercher à boire, je reviens.
Choupa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je l'ai dit. Moi, enfin, j'ai annoncé, hein, Choupa. Tu pourras le dire, j'ai annoncé. Je l'ai dit direct. Justine, 100 fois meilleure qu'elle. Arnaquette de ouf. En plus, elle parle comme une. Elle fait genre Zarma, c'est une rebeu. Non, elle parle mal, elle parle mal. Elle sait pas s'exprimer, cette fille. Putain, je te plains, en fait, Choupa, pour trouver une fille sérieuse. Même quand t'es jeune, ça doit pas être évident. Il y a des filles jolies, ok, certes. Mais quand elles parlent, wow, c'est dur quand même, hein. Pour trouver une fille sérieuse avec qui te poser, avec qui avoir des bons délires, ça doit pas être évident. Hein. Ça doit pas être évident, les gars, je vous plains. Elle fait ultra superficielle, quoi. Bref, faut pas se fier aux apparences, bien sûr, mais... Alors, elle s'appelle Maëva, son prénom, c'est Maëva. Ouais, mais de toute façon, toutes les Maëva sont des... Je m'en bats les couilles à go. J'ai tarpin froid, je crois que je vais allumer le chauffage. Et j'ai tarpin froid. Lui, c'est un mec bien blablabla. Mais c'est la vérité. C'est pas parce que je le recontacte pas ou que bah voilà, moi j'ai trouvé la bonne direct, les gars. J'ai de la chance. C'est un garçon bien, ça. Dieu merci. C'est un garçon bien. Et c'est t'as une extinction de voix ou... Non, j'étais malade il y a deux jours. C'était encore plus grave que ça. À 5. Parce que t'es pas venu sur le live, ouais, j'étais malade. Là, c'est bon, et ça. Vas-y, j'ai pas ton temps. Non, mais Justine, même avec ses couettes, les gars, vous validez ses couettes aussi. Avec son petit look Britney Spears, ça va, ça. Vous kiffez, les gars, non? Pas bien. Je juge pas. Je suis en train de te dire que j'ai le droit de dire que c'est un garçon bien ou pas un garçon bien. Je ne juge pas. Il y a les wesh et il y a les personnes avec qui t'as de la conversation, t'as de la communication. Qu'est-ce qu'elle raconte, les gars? Dis de la merde, non? Quand il y a des gens bien et qui ont une bonne communication, ouais, ça on sait. Parce que j'ai envie de la frapper, les gars. Excusez-moi. Bah ouais, ils ont le seum, ça se voit. C'est des seumlers. C'est des personnes comme ça, les gens d'ici. Exactement, ouais, je suis mariée à la strip, ouais. Elle vit dans un T2 arrangé, j'ai envie de la... Apparemment t'es un mec bien, Choupa. Mais pourquoi tu dis qu'elle te connaissait? Non mais Choupa, Justine, 100 fois mieux, hein. On est d'accord, même dans le chat, ils ont validé Justine, hein. Y a personne dans le chat qui a dit elle au-dessus de Justine, hein. De toute façon, hein. Tu verras les messages. Tu verras. J'ai trop froid. Moi, je t'ai fait quoi, meuf? T'as un mytho. Tu mens comme tu respires. Les mecs comme toi, ça me dégoûte carrément. Hola. Hola, que tal? Comment ça va? Hein? Comment est-ce que ça? Et toi, ça va? Très bien. On met la main dans la bouche quand on baille, sinon on voit les amygdales. Eh ben moi on voit pas mes amygdales. Je les ai vus. Ah, mon père. Je les ai vus. Bon, vas-y, Choupa, on passe sur autre chose. Allez, c'est parti. Par contre, Choupa, tu viens de marquer encore un point. Laura, 29 ans. On va voir si tu sais draguer des filles un peu plus âgées que toi. Ça va être un challenge ce soir. Ok. Bien et tout. Vous écoutez, vous entendez ce qu'elle écoute? Déjà rien que ça, moi c'est mort, c'est impossible, c'est no way. C'est ma kryptonite. Tu vois ça? C'est ma kryptonite. C'est ma kryptonite. Je peux pas. Tu sens déjà que, sans vouloir, voilà, faire du pré-shooting, machin, etc. Parce qu'on va me dire, ouais, je suis trop dans le juging. C'est une meuf qui va pas être de premier abord très cultivée, quoi. On en lit ça, on n'est pas sur Twitch. Ok, bon, vas-y, on dit les termes. Donc sujet de discussion très limité, ça a parlé simplement de voilà, de chaussures Aeram, des dernières tendances des influenceuses télé-réalité. Non mais voilà, je vous dis les choses clairement. Allez, on va dire, allez, parce qu'on va encore dire, ouais, tu généralises. Allez, à 85%. Ça va. Je sais pas. Go chez un mec pour lui faire croire qu'il est en section gay. Ouais, mais il faut être beaucoup, il faut être plusieurs pour faire ça. C'est trop, ça qui est trop marrant. Attendez, je vais voir Choupa aussi, je peux le mettre sur un autre live. Mmh, mmh.
Non, pas forcément l'accent. Non, l'accent wesh, non, ça veut rien dire, les gars. Ça veut absolument rien dire. Parce que j'en connais qui ont l'accent wesh et qui sont ouais, tout à fait très, enfin, très cultivés, avec qui tu peux avoir des bonnes conversations. Non, c'est pas ça. Et pas tout le temps. C'est pas tout le temps ça, les gars. Bon, c'est sûr que voilà, j'aurais été. Oui. Tiens, pour ta lisopaïne, merci à Zin qui s'abonne en tant que pilier. Merci beaucoup à 5. À 5 et l'animouma. Oui. Est-ce que Shaitana, t'es déjà allé là-bas t'aventurer dans sa. Dans sa chair, mon ami Choupa, parce qu'elle est vraiment intéressante, cette femme. Attends, attends, c'est moi ou elle a glowdown? Attends. Bon, eh oui, tu gagnes mal. Quoi? Non, tu fais quoi alors? De quoi je fais quoi? Non, debout, quoi, vous la trouvez comment? Un peu plus jolie que. Tu danses. Ouais. Ouais. Quentin qui dit elle a glow aussi. Ouais. Salut tout le monde, salut Ophé, salut Maïla, salut, merci Vincent, tu danses bien, merci beaucoup. Ah ouais, normal. Oh là, elle danse trop bien, oh là. Et encore, t'as rien vu, hein. Laisse tomber. Ouais, je suis forte là. J'ai dit jardi, elle est là. Attends, elle va danser, les gars, on regarde ou pas? Laisse tomber. C'est lui, il faut. Vous la trouvez comment en move, les gars? Les hanches, ça va? Elle bouge bien ou pas? Un paca fait ça. Tu veux pas faire un petit. Ina, je peux pas, mec, je suis pas. Je suis fatigué, je suis pas. Je suis pas tardé. Ina, on peut pas sur YouTube, malheureusement, il strike instant la vidéo. Non, mais ça vous excite, non? Ça vous aimez bien ou pas? Ou bof? Niveau du corps, c'est pas terrible. Non, ça va, les gars, elle bouge, non? Vite faf. Elle me tue. Elle, je sais pas, tu pourrais, elle, sortir avec elle ou pas? Genre une relation de 2 mois. Non, ça va, j'ai vu. Elle est un peu plataxe. Mais elle s'est bouchée quand même. Elle s'est bougée quand même ses hanches, les gars. Faut avouer un petit peu. J'ai déjà vu pire, les gars, on a vu pire. Après, profil un peu platax. Attends. Arrête de mettre ta main genre que ça cache les nibards alors qu'on voit tout. C'est là-bas cette musique avec le bon tempo. Oui. Attends. Ah ouais, l'usine, il y a quelque chose qui merde. Dans un appartement. T'as dansé, oui. Non, elle est pas moche, ouais, c'est sûr et certain. Alors, ouais, au fait, je vais t'apprendre un truc. Moi, je twerk pas, je fais du wine. T'as vu, le twerk, c'est juste des fesses comme ça. Moi, j'ai les reins, le bassin, il y a tout, tu vois, c'est les Je vais la frapper, elle se la raconte en plus. Oh, mais se la pète, oh là là. Montre ce que tu sais pas, non, mais je sais pas. T'inquiète-moi, je m'y connais en plating, Bloomy. En fait, elle est pas... Si, elle est pas c'est full plate, mais on va dire que derrière c'est pas full bombade, je te le dis direct. En fait, elle a des hanches, ça va. Je fais ça avec mes nichons, je fais ça avec mon cul, c'est bon, c'est parti. Nous, on aime la sensualité. Putain, on assiste à des choses chaque soir, les gars, sur les lives nouveaux, c'est incroyable quand même. Le move de la langue, ça m'énerve. Ah ouais, elle fait un petit move de la langue, ouais, pour se la péter, comme ça. Salut Kev. Kev, on se connaît déjà. Faut travailler le fessier. T'inquiète. Oh, il y a tout qui travaille, il y a tout. Il y a les hanches, les reins. Salut Réco. Les reins, elle a dit. Les voisins, disent à tout le monde reste. Et bien sûr, les voisins, ils font pas chier. Ça va et toi? RER, s'il te plaît, RERD dans le chat, quelqu'un peut un modo, peut le Théo, les gars. Pour ma mère. Putain, j'ai pas de modo, quoi. Kev, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais ça fait à l'ancienne, on parlait ensemble. Heureusement qu'il y a au mode. Là, tu te mets devant, et ça y est, le pélo, il s'est dit, eh ouais, Dylan. Merci, Vikos. Merci pour les amis. Bon, vas-y, bah, apparemment, t'es pas intéressé. Lily, 20 ans. Est-ce que c'est du scab ou pas, Choupa? Belek, le téton. Ça aurait pu une fille... Elle est pas là, justement, on est d'accord? Ouais, elle est pas dans le chat, c'est bon. Elle est passée ou pas encore? Vas-y, bon, je suis pas, vas-y, on est entre nous, là.
c'est tes cousins. Ah, une petite fille de 17 ans, là, je sais pas, vas-y. Ah si, Jacques. C'est bas. Une cruche, là, de 17 ans, une cruche, là, allez. Elle est de Rouen, en plus. Pour les Allemands, j'ai déjà dit. Ils sont sur votre live, ça tombe bien. Bah, justement, c'est tes cousins. C'est tes cousins, Vince. Je vais essayer de m'infiltrer, les gars. Ils cherchent partout, ma gueule. Parce que Joe Star, mon avis, peut envoyer du lourd, les gars, non? La Jessica, elle rigole. Dis que... Bon, allez, je vous laisse. Bisous, le psy. Oh my god! Yaman, il manque à quelle origine ça? T'inquiète, mon sang. Non, je ne peux pas être privé, Richard. Allez, Vince, tu vas ronfler. Tu dis du connerie. Vince, il a dit qu'elle est ronflée. MDR, elle a dit. MDR. Tu gitanes? Ouais, moi, gitane. Il va dormir avant. Je vais aller chercher un liégeon. La Jessica. Ouais, salut mon Jessica, sang. T'as fait ouais, mon TBS. Sang. Sur le cendrier, sur le canapé, là. Il y a le killer, il y a le killer. Là, je me suis fait oublier. Attendez, attendez. En tout cas, t'es proche à ta place. Oh, ouais, mort, connais-moi, attends, attendez, j'affecte Nicolas, attendez. N'insulte personne sur le VS, Jessica, Jessica. Alors, perdu, il mourra. Attendez, il y a Nicolas, il monte. Ah ouais. Pourquoi tu veux le monter? Oui, maman, bah, tu parles de la guitare? Oui, c'est moi, je suis pas couché. Ah, si, c'est le youtubeur. Ouais, c'est bon, je vois. Ah, ouais, c'est Nicolas, le youtubeur. Ouais, ouais, bah, il va pas en fait, donc next. Ah, Nicolas? Voilà, t'es éclaté, frère. Non, vas-y, infiltre-toi, putain, ça casse les couilles, ça. Je même pas pourquoi je fais des. Il faut. Je même pas pourquoi t'as une chaîne YouTube, voilà. Ça fait pas rire, frère. T'es éclaté, frère. Ah, là-bas, avec ta guitare. T'es éclaté, frère. Il a cru qu'il allait faire de la guitare ici, lui. Ah, Nicolas, comment t'es moche, voilà. T'es moche. On va aller, notez bien les pseudos, les gars. On va aller sur leur live. On va les piéger, les gars. Notez bien. On va emmener Justine. Je vais monter ma meilleure équipe. Je vais ramener Cyril et Justine. Ça fait 7 jours et demi. Voilà, va dormir, mon sang. Va dormir. Joe Star, y'a qui d'autre, Musel? Faut laisser Sarah. Mais pourquoi toi? Vous jouer de la guitare, quand même. Jessica! Et Jessica. Mais ils sont passés le mot ou quoi? Oh. En fait, les... Notez bien les gars. Tous les gens de notre live, Jessica, ils sont revenus sur ton live en fait, Sarah. Oh, il y a Clem, il demande en VS. Ça va Sarah, être je t'aime. Ah ouais. Il y avait une chatte à l'écran. Comment ça, une chatte? Non, il n'y avait pas de chatte, qu'est-ce que tu racontes? Baleine de sable, on connaît, les gars, on était tout pistés, il nous connaît aussi. Si, tu vois. Mais non, Skizir, putain, Skizir et Baleine de sable. Skizir, il est H24 sur l'appli, quoi. Céline, du coup, ça fait longtemps que tu es sur le vous. Putain, c'est incroyable. Tu m'étonnes. C'est incroyable. Ouais, c'est surtout pour avoir plus de visibilité. Quoi, que je fasse... Oh. Non, mais ils nous connaissent, c'est mort. Je vais pas tarder à regarder ma série. Vas-y, on fait une dernière intervention, après on y va. Sérieux, je suis en train de rêver. Quoi. Tu me l'as demandé poliment, gentiment. Quoi. Allez, mais sois content, pourquoi tu te plains? J'ai envie de terminer, lui. Il a dit, allez, vas-y, monte-toi. Wow! Je t'ai ici, elle parle poliment, elle parle gentiment. Je rêve, là. Attends. Je sais pas qui c'est. J'aime bien vanner un peu la bonne. Salut. Salut. Exactement, Julien. Ouais, je passe, parce que je connais Floki, juste pour te mettre en garde, Stécie. En fait, il s'amuse à charrer des meufs. Il y a pas plus tard qu'une semaine, il a charré une fille de 16 ans sur l'application parce que je la connais. En fait, je l'avais reconnue en vrai. Et ce con, il passe. Bah vas-y, rigole, fais le con, Floki. Tu crois vraiment qu'elle va sortir avec un wesh? Touche pas à nos femmes, c'est une blanche. Alors ferme-la, au lieu de rigoler, hey, bouffon, va. Avec ta casquette. Je sais pas quoi. Je suis fou. Attends, ah d'accord, j'ai affaire à un blédard en plus. Ça rentre pas chez nous. Bien sûr, ça rentre pas chez nous. Attends, t'es où? Tu parles sérieusement? Warzazad, c'est ça, dans le désert, t'es en train de sucer des dattes?
Moi, je vais te faire sucer ou quoi? C'est comme tu veux. Non, non, je suis en train de te dire, est-ce que tu es en train de sucer des dates dans ton pays? Non, si tu le fais, toi, c'est ton problème. Bon, écoute-moi, je dois m'attaquer à toi parce que tu manques de fluidité dans la répartie, donc ça serait à prendre, s'en prendre un faible. Tu me connais d'où? Je te connais, mec. Je te vois sur des lives, là où tu t'abuses. T'es un pédopeur. T'es un putain de pédopeur. D'accord. Si tu veux, fais ça. Attends, ferme-la. Si tu veux, on va dans le live que tu veux. Le live, tu choisis le live. Mec, regarde, je suis en train de t'enregistrer. Regarde. Vas-y, je m'en fous, moi. Mais par contre, c'est toi, ça, non? Ouais, je m'en fous. Je t'enregistre. Mais vas-y, enregistre-moi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, frère. Parce que les gens du bled qui viennent sur l'application en faisant ce type une fois, mais touche pas, voilà, Stacy, fais vraiment attention à toi, t'es une fille magnifique, t'es belle comme tout. En fait, je comptais te faire un truc à la guitare, je te referai Mais j'aimerais bien que tu enlèves Floki d'abord. Salut Stécie. Salut. Moi, j'ai aucun problème contre Floki, donc je vois pas pourquoi je l'enlèverai. Ok, bon, c'est pas grave, on va le supporter du coup. Bah, vas-y. Salut Mehdi, vas-y, parle. Je sais pas pourquoi tu dis Charo, je sais pas quoi, c'est qu'il m'a jamais Charo personnellement. Hein. Heureusement. Ah ouais? Mais heureusement, jamais... heureusement, tu viens, tu m'attaques directement, mais t'es malade toi. Ah merde, c'est pas toi. Merde, le con. Floki gêne, c'est pas toi. Attends, Floki gêne, c'est pas toi. Ben non, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Karim. J'ai changé mon blase. Karim Sartek, excuse-moi alors. Selem, excuse-moi. J'ai changé mon blase. Je ne pouvais pas savoir. Mais je viens d'arriver en France depuis deux jours. Je vais te dire, Nicolas, mais quand tu arrives sur un live, au lieu d'agresser comme ça, sois sûr que ce soit la bonne personne. Je pouvais. En fait, il avait le même pseudonyme, en fait. J'ai pas vu qu'il y avait juste Floki. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, rien que tape dans la truc recherche sur Lovo, tape Floki, mec. T'en as 40 des Floki. Après, pour sa défense, tous les Arabes se ressemblent. Donc, c'est pas forcément évident. Ça, c'est un peu raciste quand même, ce que tu m'as dit. Ouais, c'est un peu raciste, Maïdi, parce qu'on se ressemble pas. Si tu veux, je te montre des Arabes blancs avec des yeux jaunes, des yeux bleus et des yeux de chat. Hein, bah, généralement, moi, quand j'ai des problèmes, des altercations dans la rue, ils se ressemblent généralement tous. TN, Lacoste. Ben non, on porte pas des TN Lacoste, nous. On porte pas, je porte des jeans, des chemisiers, je m'en fous, moi. Tu peux me montrer ton t-shirt, c'est quoi la marque? Ah ouais, c'est une fausse marque, ça, non? En mode allongé, pépère. Ah, j'ai reconnu. Floki, dis la vérité, c'est un Primark. Je vais dormir, là. C'est bon, je porte un t-shirt, je porte pas un t-shirt de marque pour dormir. C'est un Primark, j'ai reconnu. Mais attends, Nicolas, t'es sûr? Mais tu viens sur un live comme ça et tu me dis « Ouais, toi, tu charotes des filles de 16 ans, je sais pas quoi. » En fait, je t'ai confondu avec un autre arabe qui, lui, par exemple, il n'arrêtait pas d'aller draguer en étant très agressif avec les filles sur le dos et ça ne va plus. Mais ça, c'est le problème. Monte ta tête en entier. En fait, j'ai reconnu sur le demi-face. Voilà. Ah bah voilà, c'est pas toi, ok, enfin c'est pas lui. Mais oui, parce que genre moi, ce que t'es venu, t'as dit ça direct, mais mec, je te croyais pas du tout, Floki, depuis que je tape des lives, ouais. Il est là, et c'est même pas lui qui charo, c'est quand je me fais charo, genre, et il va dire genre en mode tu charo tout le monde, etc. D'accord, ok, bah désolé alors, en tout cas, désolé Floki. Floki, ça te dérange pas que je fasse une petite chanson à la guitare pour m'excuser? Ouais, vas-y, y'a pas de problème. C'est qui le youtubeur? Ouais, moi je suis youtubeur. Ah, mais on vient de te dire wesh le youtubeur. Ah, salut. Ah, t'es youtubeur? Tu m'enregistres? Ah, nice, comme ça je vais pouvoir percer. C'est ça mon pseudo si vous voulez voir ma chaîne. Tu peux monter, ouais. Ouais, mais tu peux arrêter de filmer le live. Ouais, s'il te plaît. Non, mais il a le droit en fait. En fait, quand tu étais sur YouTube, t'as le droit de prendre, vu que l'image elle appartient à Lovo, en fait elle appartient pas à nous, donc il a tous les droits de faire ça. Nicolas, je sais plus comment tu t'appelles réellement, mais j'ai répété mille fois les choses. Tu violes le RGPD. Attends ta gueule. Quoi? Attends, tais-toi parce que j'ai. Mais monte ta gueule parce qu'on ne voit pas en fait. Je t'ai déjà dit que tu violes le RGPD. T'auras pas ma tête, t'auras pas mon image. C'est quoi le RGPD pour le coup? C'est quoi le RGPD? Parce que à la limite, PD, je comprends. Peut-être que ça te concerne. Mais sinon, le reste, non, pas trop. Tu sais pas ce que c'est le RGPD? T'as rien à faire dans le numérique alors, connard.
tu fais des streams. D'accord, ok, bon, allez, enlève-le parce que je dois faire ma chanson pour m'excuser auprès de Floki. Floki, c'est pour toi. Il se fait de l'argent sans vos gueules, les gars. Moi, je Floki, tu es là. Je voulais m'excuser, mon Floki, car j'étais trop loin de toi. Avec une autre personne, oh Floki. Comment tu me fais bander avec ta casquette? T'es mignon comme tout mon petit Floki. Dans une autre vie, si j'étais gay, je serais sorti avec toi. Tu ressembles à Scream, le joueur de CS. Merci, Floki, d'avoir enchanté ma vie. Oh, Floki, je t'aime. Waouh, waouh, bravo, bravo. Non, après, tu gères la guitare quand même, j'avoue. Merci, c'est gentil. Ouais, ouais, tu sais vraiment jouer. Là. Voilà, c'était de l'improvisation, l'impro. Tu peux enlever les mecs sans cam comme Thomas Caron. J'ai juste un message à faire passer. Non, ferme-la, stalker. Non, mais je suis pas stalker. La gueule. Si, on sait très bien. Le DZ qui est passé. Le DZ qui est passé juste avant, en fait. Portez tout mon visage pour voir. Mais non, mais. En plus, tu te crois drôle, tu te crois marrant en plus, au fond. Mais non, mais c'est lui. Non, ferme-la. C'est lui. Non, mais t'es pas drôle, T'essayes de faire de l'humour en essayant de montrer qui c'est. C'est pas de l'humour. Mec, t'es craque. Il fait de l'argent sur votre dos. Il y a des potes vraiment qui sont là pour rigoler sur le stream en pensant ah putain, t'as fait un truc de ouf, franchement. Mais t'es un bouffon, mec, tu t'affiches. Mais t'es ridicule. Mais t'as pas de répartie en plus. Ouais, désolé, Stécie, je t'aime bien. T'as dit Marion, je suis pas gay, Marion. Je te jure que je suis pas gay. Assume ton visage, au moins ta gueule. Mais attends, t'as dit quoi, Thomas? Alors en gros, le mec juste avant qui est passé, là, l'arabe à joie, c'est ce mec-là, en fait. Oh, t'es nul en plus, t'es nul, t'es lourd. Il filme sur YouTube, voilà, c'est Eric. Oh, t'es là, nul, gros. Il y a ce Kicket Star. Oh, t'es un bouffon. Hein. Ton prénom, c'est pas ouais, Pierre, mais... par hasard? Pierre, ouais, si, c'est Pierre Laroche, je suis commissaire divisionnaire à Paris. Ouais. Pierre c'est derrière, ça se voit. On te connaît, ouais, on te connaît, hein, les stalkers. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Oui, c'est ça, dégage, Mia. Voilà, évite de jouer le barjo, parce que le jour où je vais avoir ton adresse, je vais t'envoyer deux percussions. Oui, c'est ça, tu vas rien faire. Je t'ai cramé. Ta gueule. Allez, je vais faire tourner ta femme dans une villa romaine. Je vais faire tourner ta femme dans une villa romaine, fils de pute. Il n'y a pas de prénom. Tu vas rien faire. J'ai trouvé ton nom et ton prénom, bouffon. Mais je m'appelle pas Pierre. Alors pourquoi tu t'énerves Mais je m'énerve pas, c'est juste t'es là, si, t'embrouilles les gens. Moi là-bas, je suis là, je suis gentil, t'as vu. Tu t'énerves. Voilà, y a... J'ai trouvé son prénom. Il s'est énervé, ce bouffon. Mais j'ai trouvé son nom et son prénom, c'est juste qu'il a la haine. C'est pas. Ouais, excusez-moi. C'est Stécie, en fait. Voilà. Ouais, désolé. Floki, j'espère que ça t'a plu, la chanson. Ouais, je t'assure, c'était bien. Quoi. Et désolé encore, Prouillard, désolé. Hein. Ouais, y a pas de problème. Stécie, désolé d'avoir dérangé un peu ton live. Non, t'as pas dit. Et j'en veux pas du tout à Floki, il a été excellent, c'est un bon gars, et franchement, c'est le bon pote. Franchement, Floki, t'es le bon pote. Ouais, merci, frère. C'est le bon pote, je pense que tu peux lui faire confiance, Stécie. Bon, allez, bon live à vous et kiffez Lovo. Merci, frère. Pas de soucis, bisous. What the fuck, putain. Ce que je déteste le plus sur Lovo, si quelqu'un vient et m'accuse de charoter des meufs, et c'est le truc qui me fait vraiment chier. Mais toi, il était cool, le gars. Thomas, je sais pas quoi, il était en train de dire un truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, les gars, je vais baisser. YouTube, mais demain, je suis sur YouTube, porte plainte sur sa gueule, c'est tout. J'en ai beaucoup. À quelle heure je vais être sur YouTube sans que je veuille moi-même. On l'a busted. Ouais, on s'est quitté, t'habites sur Bordeaux, j'ai déjà appelé ton père, donc si tu veux pas que ça s'envenime, mec, ouais, arrête tes conneries, parce qu'on t'avait un peu zapax, et voilà, donc, mon petit Pierre, t'as cru que t'allais pouvoir stalker toute ta vie comme ça, espèce de con, en plus je sais que t'es abonné, hein. À la chaîne, je sais qui c'est. En fait, son but, c'est quoi, c'est il embrouille, après il fait genre 5 minutes.
Attends, je vais vous... Toc, toc, toc. Ben ouais, on s'en fout, il a rien fait là, parce que il a rien eu. Il est venu, il m'a accusé, je sais pas quoi, et après, hop, il s'est barré. Ah, mais non, mais de fou, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est parti en live. Allô ? Ouais. Je regarde qui ça peut être, les gars, dans le chat. Sur YouTube, tape live le... Moi, je pense que c'est JC. Et tu verras que c'est lui qui fait des lives et qui l'affiche tout le monde. Moi, je pense que c'est JC, les gars. Non, parle dans le chat pour voir. Tout le monde, parce qu'un jour j'étais sur un live et j'ai vu mon prénom et en fait, je suis pas sur YouTube moi, mais je regarde les pseudos. C'est-à-dire qu'à un moment, soit c'est lui. Il parlait de cul à ce moment-là, quand par hasard il a coupé alors qu'il parlait pas de ça. Enfin, il va afficher ce qu'il veut pour faire des vues. Esté, non, c'est impossible. Stoon, je pense pas. Vortex Abyssal, non. Ah oui, non, mais après c'est que. Je pense que ça doit être JC ou. Ou l'autre con là, celui qui a un pseudo bizarre. Non, Roman, non, c'est impossible. Oulala. Hé, hey, tu parles de qui? De Thomas, celui que tu as vu? Non, lui, il était un peu chiant parce que c'était un peu raciste ce qu'il disait. Même... Non, mais par contre, ils étaient un petit peu trop chauds à dire. En plus, t'es nul, mec, je t'ai affiché, mes skins. Bon, je suis désolé de t'avoir terminé. Enfin, non, je suis même pas désolé. Tu méritais ce qui t'est arrivé. Mais gros, fais même pas le vanin, remontez, gros. Je le prends mal si tu m'accuses. Non, c'est pas toi, t'inquiète, je sais. Non, c'est en gros, je vous explique, c'est un gars qui stalk depuis des années. Et à mon avis, c'est juste un gars qui veut exister à travers moi. Donc voilà, donc il est là, voilà, juste au stalk. C'est le même mec qui stalk sur GTA, sur dans tous les trucs, quoi. Avec combien qu'il est parti sur le live à Dana ? C'est qui ? Donc voilà, quoi. Bon, après, les gars, on va pas s'attarder. Ah, apparemment, il a banni le Smurf. Je l'ai pas vu, sinon je l'aurais bloqué dès le début. Tellement simple et terminé. Manque d'attention, exactement, ouais. Et en fait, c'est le grade au-dessus de fanboy. C'est-à-dire, c'est un mec... en gros, il veut avoir une influence dans la vie. Genre, faut qu'il se dise « Oh putain, j'ai réussi à intervenir et tout, etc. dans la vie de Ryuz, sur le live et tout. Donc voilà quoi. Mais le pire, c'est qu'il est pas drôle quoi. Encore, hein, bon, on a déjà eu des stalkers, tu vois, qui faisaient des interventions qui étaient très drôles. Mais lui, à part insulter, dire insulter, faire des insultes racistes sur les autres. Ouais, j'avais appelé son père parce qu'il est dans une école d'informatique. Apparemment, il se prend pour un pseudo hacker. Et son père, il voulait pas admettre que c'était lui. Donc fais attention parce que j'ai le numéro de ton père. Ça serait con, que je le rappelle et je lui dise vraiment ce que t'as fait, quoi. Mais bon, je m'en fous. Et après, il m'a fait. Amène-le-moi à Créteil. Non, mais c'était trop drôle. Si j'étais gay, je sais pas quoi. C'était trop drôle ce jour-là, les gars. J'étais trop mort de rire. Il m'a dit, ouais, mon fils, jamais il pourrait faire ça. Maintenant, veuillez arrêter de m'appeler et tout. Facile, j'avais de nom, prénom. Après, c'était facile de retrouver le... En fait, j'ai eu l'attente. J'ai eu l'attente qui n'en revenait pas. Elle m'a filé le numéro du père. Et du coup, j'ai récupéré le numéro du père à ce moment-là, quoi. Ah merde, excusez-moi, les gars. Merci, Marion, hein. Mais même elle a rien compris, elle est arrivée. Et les gars, voilà, montrez vos gueules à la limite, assumez vos gueules. Là, tu vois, il a rien, il savait rien dire, les gars. Il pouvait juste insulter, il pouvait faire quoi, rien d'autre. Mais bon, quand t'insultes, monte ta gueule. Au moins t'es crédible. Au moins tu te dis, ouais, putain, peut-être il va tenter. Mais gros, mec, les gars qui font ça, IRL, les mecs ont des corps de lâche. Donc tu crois vraiment qu'il va montrer sa gueule et il va voir qu'on va se foutre, tout le monde va se foutre de lui. Donc, pour sa fierté, il doit pas montrer sa gueule. Donc, il aura beau insulter, insulte comme tu veux, mec, mais monte ta gueule. Alors, voilà. Bon, on verra quand même ce qu'il aura à dire la prochaine fois. À mon avis, il va peut-être repasser, hein, ce bouffon. Il a pas que ça. Enfin, les gars, je vous rassure, hein, les mecs, il est tout seul. Hein. C'est le seul qui paye un abonnement pour faire ça, les mecs. Il n'y en a pas deux, hein. Je le connais, il était sur GTA, c'est un mec qui est très déterminé à juste passer à la télé pour faire le con, le bouffon. Et voilà, il reste là, bon, c'est pas grave les gars. Ce serait bien drôle de l'assumer, ouais. Mais vous allez voir, il va assumer, il va juste insulter, il va rien dire, parce qu'il aura pas de couilles, hein, les mecs. Il aura zéro couille. Hein.
Bon, j'aimerais bien trouver un profil atypique, style... non, peut-être pas. C'est le même. Oui, oui, c'est le même, c'est le même. C'est Gaspard, c'est exactement le même, les gars. C'est le même, exactement le même. Il a plusieurs comptes, en fait, comme il se fait souvent bannir. Du coup, c'est exactement le même, les gars. J'avais Cramax. Il s'est fait terminer. Attendez. D'accord, un petit délire Britney Spears, période année 2000, ouais. D'accord, ça va bien. Alors, les jeux courts, Nathalie Portman avait fait aussi, c'était stylé, mais... Ah non, j'ai cru qu'elle avait... En fait, elle les attachait par derrière, d'accord, ok. Regarde, il est encore là, ce bouffon, regarde, il met même pas sa gueule. Mais bon, là, il veut passer à la télé. Non, en gros, c'est un mec que j'avais banni parce qu'il arrêtait pas de faire, à l'époque, des allusions antisémites, il faisait que ça, il servait à rien, du coup, sur le stream, du coup, je l'avais banni, et du coup, il a mal pris. Et voilà, le gars, il reste là, mais bon, il aura jamais de couilles pour venir me voir. Mais c'était Nathalie Portman, MDR. Alors, en général, j'ai pas trop sur ses profils. Ouais, ouais, je sais, les gars. Plusieurs icebreakers, j'attends une réponse de ta part. Attendez, les mecs. Attends, il y a des mecs qui ont réussi. Attends, qui m'ont fait des icebreakers sur ce compte. On va regarder, les gars. Comment on fait pour voir les DM? Ça veut dire que lui, il a payé? Il a payé pour me parler. Coucou. Attendez. Attends, c'était qui lui déjà? Icebreaker, on est d'accord, c'est faut payer quoi, il faut envoyer des. C'est des RK, ouais, ouais. Mais lui il me connaissait, alors du coup c'est pour ça. C'est bizarre qu'il parle à la meuf. D'accord, ok, putain. Affiché maintenant. Augustin, salut Johanna, pique-nique romantique ou restaurant? Répondre maintenant. Attendez. Restaurant. Resto. Un instant. Ton icebreaker, vous voilà. Merde, il me parle, les gars, il me parle. Merde, je dis quoi, les gars, quand un mec. Non, mais ça se trouve, il connaît le stream parce qu'il m'a dit la dernière fois, il m'a. Moi, ça va. Attends, il faut écrire comme une tarlot. Moi, ça va, pépère. Je sais pas comment ils parlent, les jeunes, aujourd'hui. Je sais pas. Est-ce que j'ai Franco? Est-ce que tu bandes? Attends, je vais voir s'il y a de la converse. Et toi? Afficher maintenant, t'es très jolie. Répondre maintenant. Merci. Toi aussi, tu passes bien. Putain, des mecs payent pour me DM, putain. Attends, mais il est naïf comme ça, le DRK, putain. MD1, j'allais dire, à ce que je vois, ça veut pas parler. Si, si. Je suis juste un peu fatigué. Mais tranquille, t'inquiète. Tu dois recevoir des DM comme ça, Omo. Tu dois recevoir des DM, toi, Omo. Ça doit être trop drôle, putain. Des mecs, tu sens qu'ils essayent de feinter pour Charo. Ça doit être tellement drôle. J'aimerais tellement vivre la vie d'une meuf over bonus le 24 heures, quoi. Putain. Rien que pour chauffer des mecs et les mettre en yinche. Laisse-moi deviner, t'es d'origine italienne. Oui, comment t'as deviné? Comment? Merde, non, c'est un peu trop abusé, là. Comment t'as deviné? Ma mère, oui.
je suis pas en live, les gars, je suis en live en lycée, donc du coup, peut-être pas cramed. Hein. Et toi? Rebeu, je suppose. Ça passe là? Mon père est breton. Ça passe? Bon. Non, mon père est breton, non. Mon père est français. Non, c'est un peu abusé. Non, c'est un peu abusé. Origine. Putain, j'arrive pas à faire la bonne pu. Je crois que je vais faire ça. Putain, c'est tellement bon comme RP. Tu peux m'envoyer. Tu peux m'envoyer. Une photo. À cet instant précis. On va voir si ça va mordre. Et la grosse beuteux. Comment on met les smileys, merde? Tu veux pas plutôt snap? Non, ici. Comme... Je dis quoi, les gars? Comme... Je dis quoi? Je dis quoi? Il est en full dog, tu peux facilement le terminer. Je dis quoi, les gars? Putain. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais plus tard, oui. Attends, j'utilise plus Snap. Comme ça, ici, c'est bon. J'ai pas Snap, guignol. Maud, aide-nous. Oh putain, ça va être jackpot. On va avoir une belle bite. Je prépare le cash bite ou pas? Pardon. Le RP Côte d'Ivoire Cybercafé est bien cramé. Il va bientôt s'en rendre compte. Ah ouais, là, c'est cramé, là, tu trouves, Chuck? Bon, là, faut pas trop répondre, sinon ça fait... c'est cramed. Putain. Au pire, j'envoie une photo de cul, non? N'importe laquelle, une photo random. Ou alors je prends... Les gars, vous savez quoi? Alors, moi, je suis souvent sur Snap et je te mens pas, je suis pas photogénique, alors que sur Snap, je peux t'envoyer une vidéo. Bah, renvoie ici. Tu peux vidéo, non? Je dis quoi, putain? Juste pour m'assurer que c'est bien toi. Attends, ça va passer ça. J'ai souvent des fake profils qui me DM et qui assument pas leur tête. Oh putain, ça passe trop bien ça comme excuse. Les fautes, c'est trop pas. C'est pas. J'arrive pas. Même en RP faute, j'arrive pas. Faut vraiment que je. En fait, je me projette en mode SMS année 2001. Ce que tu mets. Fais un reveal. Non, non, t'es sérieux. On voit une photo d'une de tes guitares avec ton bras pour voir si il est naïf. Au pire, je montre un bout de cul. Dégage. Enfin, je fais la vieille blague que tout le monde fait quand on est pige. Genre, je prends une photo de ça, tu vois, ou de ma cuisse pliée, et on voit l'arrêt, tu vois. Il va border sur...
Il va bander sur ça. Et genre, je l'éclaircis, tu vois, je mets full flash. Bah, c'est simple, son name, tu verras que je suis pas un fake. Je dis quoi là, les gars? Faut vraiment qu'il envoie, parce qu'on peut envoyer, les gars, les photos hein, rapidement sur l'Insta. Je dis quoi, les mecs? Imagine, tu le fais lancer un live et tu montes en cam, il va câbler. Ok, lance un live. Ok, attends, j'avoue, par contre. Ok, lance un live et je monte. Et si je suis un fake, bloque-moi, c'est bon. Dis-lui, laisse tomber, il va le faire direct. Vas-y. Laisse tomber, c'est trop relou. Flemme d'aller. Flemme de bascule sur Insta. On va voir, les gars. On va voir, j'avoue pas con, hein. J'avoue pas con psycho. Allez, 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 allez. Ok, il y a l'usine au PS4. Je buzz tous les peurs. Putain, c'est tellement bon de se mettre à la peau d'une meuf. Au pire, appel en direct ici. Je dis quoi? Attends, je suis sur plusieurs fonds, les mecs. Je passe bien sérieux. Faut qu'on me sorte, ça m'a tué, merde. Regardez le DM, les gars, j'ai fait quoi? J'ai merdé ou quoi? Donc moi, je suis elle, les gars. Faut que je pense comme elle. Ok. Attends. Non. Pierre, non, le mieux. Lance un live et je monte. J'avoue pas con ça. Je dis quoi? T'as une photo de toi? Pour voir si t'es pas... Attends, on va voir ce qu'il m'a répondu l'autre. Vas-y, il lance un live, ce con, putain. Oh, putain. Oh, ça va être bon. Les gars, je monte jamais. Attends, je monte après, les gars, il va être mort. Attends, je crois que je vais monter en plus. Tu me dis quand c'est bon, attends. Putain, il va péter. Ah, mais merde, j'ai pas sur le compte de machin, donc du coup, ça a bug. C'est sur le compte du PC. Donc, ça... Attends. Mets ta perruque. Ouais, mais j'ai pas la voix de fille, j'ai pas l'affaire, les gars. En plus, j'ai... Ah ouais, Justine. Elle... Ah ouais, mais elle est pas là. Oh putain, ça aurait été jackpot. Ouais, pas con. Attends. Les gars, au pire, on le piège. Je dis par contre, j'ai 17 ans. Et là, je fais un reveal, je vais sur le live. Alors, ça le perve. Non, en plus, il aime bien ce que je fais en plus. Non, on va pas le piéger comme ça, les gars. Ok, il a lancé un live. Mais pourquoi il a coupax? Tout le monde, il est beau. Il m'a fait un bon compte finalement, mine de rien, ça a l'air de bien mordre. Hein. Merde,
merde, au moment dès que je coupe, attends, je relance. Ok. Attends, je dis ça. Par contre, j'ai 17 ans, ça te dérange pas. Je mets ça ? Je vais avoir 18, je dis ça ? Je vais avoir 18 dans deux à Noël. Non, je vais avoir 18 en décembre. Pas maintenant ? Ok. Tu vas se row. Ok, déjà on va le voir en live déjà. Déjà rien qu'il lance le live, ça va marcher le piège. J'espère qu'on n'est pas cramé. Hein. À mon avis, non, il est pas beau. Il sait que je stream. Il me connaît. Mais de là. L'amour a tout emporté. Ah, il y a un mec qui stalk, mais c'est pas grave. Attends. Je m'en en veux. Attends, ouais, attends. Maintenant tu vois que je suis pas un fake. J'avoue. Je vais pas lancer de live, hein, de base. Hein. Mec, ils sont live. Je commence à avoir de la peine. Attends, fais-toi passer. Tu préfères cette fois-ci passer sur Snap. Fais-toi passer pour le mec de jouer un écran noir sur ton téléphone et mets-le en égo. Tu veux essayer de choper ma meuf, sale bâtard. Mehdi. Attendez. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas le bon compte, c'est pas le compte de Johanna. Bah non, Johanna. J'ai pas une meuf. Pas une meuf, moi. J'ai pas de meuf. Ouais, quand j'aurais une meuf, je pense que je serais même pas là. Avec une blonde. Pas comment ouais la vie de ma mère hey, t'es sérieux gros, c'est moi sur le compte Johanna, t'es en train de vouloir essayer de pécho ma meuf ou quoi bouffon, t'es sérieux là? Ah mais toi je te reconnais, je reconnais ta voix. Ouais ouais, je m'en bats les couilles gros, je t'ai bust. On va dépasser l'Italie. Thanks. On va dépasser l'Italie. C'était quelle blonde? Qui vous? Putain. Putain. Ah putain, trop bon. Oh putain. Il a pas cramé le compte de Johanna. Alors Mehdi, c'est qui la blonde? Il a toujours pas cramé. Attends, je re... Tu montes pas, Johanna? Je vais monter. Je dis quoi? Je dis quoi, les gars? Je dis quoi? Je sais plus. Tu me dis blonde, tu sais plus. Pourquoi? Mais ça va planter, les gars, si je monte. Attendez, je vais voir. Attends, je vais voir. Je vais essayer, les gars, avec l'application. J'espère que ça va pas planter. Allez, c'est parti. Ah, t'as vu, t'es prêt, Johanna? Ah. Attends, ça va peut-être marcher, les gars. Attends. C'est pas grave, je remettrai la cam après, les gars. Je relance, attends, je vois. Ah, ah, ah,
Bon, au pire, je me compte sur le compte de Johanna, au pire, sur l'hôtel. C'est pas grave, les gars. Je me connecte sur le compte. Attendez, les gars, je vous remets la cam. Falik. Ah, ça me fait. Tu vas faire tout nous. Ça va être tout noir. Là, vous m'entendez, les gars, ou pas? Au pire, je file le compte à. Attends, je sais à qui filer le compte. Choupa, je te file le compte. Moi, il va me tricard direct. T'es tout pisté. Ah putain, ça plante de toute façon. Ouais, il faudrait que je mette ça en place, les gars, parce qu'avec les triple compte, double compte, c'est compliqué. Il va faire un arrêt du cœur. Attends, je vais piéger l'autre pendant ce temps. Je fais des lives de mon fake. Tu veux quoi? Je fasse une photo. Une photo. Je vais faire un chat vidéo avec toi. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Ça accepte, mais ça charge pas. Oh là là, ta connexion. Allô, tu m'entends? Ah oui. Ah, DRK. Ah, t'es bonne. Ah, oh, le sgeg. Tu m'entends? Ah oui. Ah, j'ai joui. Attends, il y a une idée. Comme ça, je dis, oh, il y a une photo avec un pouce. Casse-toi, toi, là, on voit pas. Reste déshabillé, ça me va. Bah, je suis habillé justement, je te dis de la faire avec ton visage et ton pouce. Et ton pouce, s'il te plaît. Si le mec il le fait, les gars, demain je fais que ça. Demain je vais aller chauffer plein de profils. Oh putain, mais je suis con, putain. Comment on est tombé ça? On est tombé bien. Putain, là-bas je t'ai connu sur Twitch, je faisais des putains de lives sur CS. Et là maintenant, je fais des lives où on voit des gags et je suis heureux. Qu'est-ce qui a pas été dans ma trajectoire? Je faisais des lives avec Shox. Il y a un truc qui a merdé au bout d'un moment. Il y a un truc qui a merdé. Je me demande à quel moment ça a déconné. Non mais je veux dire, allez, c'est pour mieux rebondir, les mecs. Ouais, on va se dire ça, les gars. Très bon, ce père de famille. Mais non, il l'a fait. Ah, putain. Ah, putain, c'est tellement bon. Lui. Ok, c'est confirmé. Du coup, Johanna,
J'ai 17 ans. Je dis ça, j'ai 17 ans, mais voilà, j'ai mytho parce que j'ai mytho sur la pique, elle casse les couilles. Demande-lui. Ah putain, ouvre la grande bouche et tiens la langue, avale mon sub, bien sûr, volontiers. Merci mon petit Arnaud. Casse les couilles. Non, je disais. Car ils font chier. Ah ouais, ok. Casse les couilles, ça passe pas. Ouais. Ça te dérange pas. Oh putain, ça va être jackpot. Oh putain. Ah putain, j'aime trop ce... J'aime trop ce métier. J'aime trop ce métier. Attends, on va voir. On va voir si c'est un vrai, les gars. S'ils disent, vas-y, dans 17 ans, c'est mort. Et dans ce cas-là, on applaudira. Enfin, on applaudira. On appréciera le geste. Tu fais pas du tout ton âge, franchement. Ouais. Merci, c'est gentil. Je dis quoi, des photos de mes pieds? Ah, putain. Le mec, il en a rien à foutre. Aïe. Du coup, c'est bon. On peut discuter. Oui, j'en ai. Du coup, OZEF. Pourquoi tu veux d'autres photos? Merde. Je vais dodo. Demain, bise. J'espère qu'il peut. Ouais, mais là, je suis sur PC, gros. Ouais, je suis sur PC, j'ai pas les emotes. J'ai pas les emotes, les gars. Ça fait trop kikou de MSN. Mais je sais pas comment ils parlent, les jeunes, aujourd'hui. Il a cramé, tu penses? Tu mets des virgules, mais tu fais la faute du ça. Putain, je suis naze. Il te prend pour un fric à coup sûr. Les meufs ne font jamais de faute. T'es sûr de cette théorie? Non mais il y a bien des meufs qui font la faute du ça et du ça, non? Ah ouais? Elle s'applique de ouf à l'écrit? Là c'est game over. Non mais les filles d'aujourd'hui, elles font full faute, non? Les meufs overbonnes, les avions de chasse, jamais. Mais pas du tout. Ah ouais? Bah dans le chat, ils disent que Justine... Justine, elle en fait beaucoup. J'avoue, Justine, elle fait pas mal de fautes. Non, pas toutes, Quentin, tu généralises.
Bon les gars, je pense qu'on est grillé, les gars, j'envoie quoi, les gars, je dis voilà. Je dis voilà, voilà Dim, salut. Statistiquement, les filles font moins de fautes que les mecs. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais après... Réponds plus, laisse faire le temps, il reviendra. Je te jure, elles font jamais de fautes, elles s'appliquent surtout avec les gars qu'elles veulent date. Insta vidéo demain. C'était chaud. Je vais dodo. Je suis fatigué. Est-ce que je mets en tout cas tu me plais? Oh j'en ai un autre les gars qui est intéressé. Putain il a envoyé un icebreaker. Putain un icebreaker c'est payant, je crois que c'est 10€. Ou 5€, je sais plus. Lui je le piège easy là, le Julien 18 ans, non? Salut, ça va, tu es joli, comme fils, ce serait bien de faire connaissance. Merci pour le compliment. Ok, je vais bien faire de... Ok, je vais pas faire de faute. Merci pour le compliment. C'est gentil. Oui, pour discuter, je suis ok. Discuter, ok. Ça passe, hein? Mais avant, envoie une photo de toi. En faisant... On dit quoi? On change le... On met pas un pouce cette fois-ci les gars, on dit quoi? En mettant, en faisant un pouce? Un pouce, ah oui, un pouce vers le bas. Oh. Pour voir si t'es pas un fake. Je le vois trop sourire. Double pouce. Au pire, j'envoie l'insta de... J'envoie l'insta de... Comment dire? De Justine, non? Bah si tu veux, on peut faire une vidéo vu que j'ai fait des lives, mais ça me dérange pas. Mais tu as pas d'autres photos de toi car tu m'as... Tu fais pas du ton âge. Ah, il est frustré, les gars. Là, il a en couille bleue, là. En plus, d'un coup... Je réponds quoi à lui? Tu veux que je t'envoie une photo de ma chatte ou quoi? Attends, je dis ça? Tu veux que je t'envoie une photo de ma chatte ou quoi? On verra après. Bonjour. Non, je suis le médecin. Je vais faire ce contenu. Oh putain, j'ai trop de mecs qui m'ont DM. Merde. Ça bug. Bon, ça va pas en taxe. J'espère que le petit Julien va répondre, les gars. Full naïf, lui, ou pas, les gars? Oh, jeu de piégette. Hein. Oh, jeu de piégette, toi. Il a l'air d'avoir un bel appartement, les gars. I am Julien, 202. Tu vas rire, car je suis drôle, recherche du sérieux. Je suis drôle, je suis en apprentissage carrosserie automobile, si tu veux mon Insta. Les gars, on va faire le prank avec lui, les mecs. Et après, je passerai dans son garage, là, il mettra un petit coup de polish sur ma Golf ou sur ma Tesla.
Et avec un peu de chance, j'espère qu'il est dans un garage qui font qui fait du covering. Pensez qu'il va accepter, les gars. Il va me faire le covering de ma Tesla, les gars. Pour pas cher. Inch'Allah. Il a une tête à faire des coverings en plus. Il va mettre un petit coup de céramique. Une couche de céramique sur ma Tesla, lui. C'est sûr. Pardon. T'inquiète pas, toi, tu vas... Putain, mais j'ai trop de mecs ou quoi? Coucou. Ça va, et toi? Putain, c'est trop bien d'être une meuf. Qu'est-ce que c'est bon. Je suis chaude. Est-ce que je suis chaude, les mecs? Hugo. Il m'a DM, lui. Qu'est-ce que je fais? Il y a Wizum qui veut me pécho. Dispo pour discuter. Ok. Trop belle. Merci. Ah, c'est bien ça. Je suis chaude. Encore. Salut toi. T'es là? Putain, j'ai trop de mecs. J'ai trop de mecs, c'est incroyable. Putain, il suffit que tu sois une meuf. Putain, mais c'est ouf quand même, le nombre de mecs. Moi. Tu me fais peur, Iriro, parmi nous. T'inquiète, je vais passer toute la nuit à faire ça, les gars. Je vais brouter. Je vais les arnaquer, les gars. Vous allez voir, je serai le plus gros brouteur de Créteil. Coucou. Ça va et toi? Demain, on va aller à la pêche au DM demain, ok? C'est choquant, Riri. Ah ouais? Tu me butes, on dirait vraiment que t'étais une meuf pendant un instant. Allez. Ismaël, les gars. Je le meilleure ou pas? Est-ce qu'on le meilleure? Les mecs, ils ont payé, les gars, vous êtes d'accord? Ça serait con de pas leur répondre. Ils ont payé un icebreaker. Merci pour le BG. Ça fait plaisir. Je vais bien et toi? T'as une photo de toi? Voilà, hop. Je vais recevoir des belles bites. Full thune pour la Tesla, ouais. Il commence un peu trop à y prendre goût, le Riri. Ah, cool. Chercher un mec avec qui discuter pépère cette nuit. T'as une photo de toi? Un truc tout con, genre un selfie avec le pouce vers le bas. Si franchement il le fait, les gars, je m'arrête là-dessus, ok? Dans une chose c'est certaine, go, t'inquiète mon corpi. Attendez les gars, je suis la plus bonne des meufs. Ah merde. Oui, comme ça. Je le fais juste après, t'inquiète. Je dis quoi, les gars? Tu verras bien.
chacun, ça me saoule. De me faire berner sur l'appli. Que des fakes. Insta, oui, mais pas maintenant. Je veux d'abord savoir. Au pire, juste le bas de ton visage, ça ira. Que t'as. Là, je commence à progresser, les gars. Le Romain, il habite à Lens. Il est BG, hein. Attends, je commence à prendre. Je pense à être. Je commence à y prendre goût, là. Tu me fais peur, tu deviens sombre, Iri. Ouais, c'est bizarre quand même, ça. T'es sûr que t'es pas fake? Non. Par contre, j'ai fake mon âge. J'ai 17 ans. Ça te dérange pas, j'espère. Allez, là, c'est bon, là, j'arrive à contrer tous ces trucs, là, je commence à être trop chaud. Je commence à être bon, là, putain, répondre maintenant, coucou, toi. Putain, je commence à être chaud. Non, mais c'est incroyable, en fait, les mecs, ils tombent les uns après les autres, quoi. Pas bien ça, bah ça change tout quoi MD, hein. Sachant que j'ai 22 ans, je suis pas trop cheveux à parler avec une fille de 17 ans. Ah c'est un bon lui. Je sais pas Boumi. Je pense qu'à mon avis c'est comme Johanna, enfin Nerzul est sur le compte aussi, à mon avis il a dû traîner sur plein de lives. Bah en même temps Bard, retrouve-moi la bonne technique aussi. Bah ça change tout. Montre-moi une photo de ta bite. Voilà, hop. Bon là, au fond, c'est foutu. Hein. Coucou toi, ah ouais, coucou toi, c'est trop, ah ouais, merde. Ok, il y a Yanis qui m'envoie un message avec un boule. Vous en pensez quoi, les gars? Le petit Yanis, il est sympa, lui. Ok, merci. Comme ça? Là ça va, là c'est bon, là ça passe, en premier message. Trop belle, ça va toi sinon? Je dis quoi? Oui, ça va. Oui, ça va et toi? Comme ça? Là pour l'instant je réponds bien. Coucou toi, ça fait trop pédoperve. Pourquoi direct ta chat, je t'ai pas envoyé ma queue? Bah envoie. On verra bien le matos. Merde. Je suis en train de scroll, les gars.
kebab. Il est BG, lui, non? Vous voyez notre petite Johanna avec lui ou pas, les gars? Ouais, moi, je me vois bien avec lui. Deal. Salut. Tu t'emportes, là. Sur Twitch, ça passe. Les gars, au lieu de faire les regarder des vidéos, de prendre des risques, de voir des tubs, pourquoi je ferais pas ça, les mecs, plutôt, non? C'est pas mieux? Ça te dit un plan à trois avec une autre femme et moi? Je réponds quoi, les gars? Oui, pourquoi pas. On voit photo de la meuf déjà. Dis-lui, ça te dit d'aller te faire foutre? Comment tu sais que je suis livreur? Ah, il y a un ami à toi qui m'a dit de te piéger. Putain, j'ai tapé dans le mille, les gars, c'est un livreur DPD. Je dis merci ou ça? Non, ça fait trop... Juste merci. Monte ta bite de livreur. Attends. Monte ta belle bite de livreur. Ça, c'est un fake, ça. Ça, c'est un compte fake, ça. Thanks. Ah non, même pas. C'est Jonathan qui a dit ça. Oui, je dis quoi? Oui, MDR. Comment t'as su? Je dis quoi? Ah putain, je suis trop fort. Mais je suis trop fort. Je suis trop fort. Il m'a tendu une perche, je vais la saisir instant. Oh putain. Oh putain. C'est un sacré rigolo. Non, pas trop. Il y a trop... Dis-lui, parle-en à la personne concernée. Tu lui en parleras. En tout cas, bien joué. T'as pas faibli. Fille de 17 ans. T'es un bon. Je pensais que t'allais me dévier, Jax. Ah, c'est fini la mode DXD? Ah non, c'est pas un compte fake, hein. Je mets quoi? Du sérieux et toi? Je sombre dans le brooding. C'est fini depuis 5 piges le XD. Ça fait quoi de beau? Bah je me fais un album de dub et toi. Oh putain, énorme. Bon bah on a fini les gars, je DM trop vite hein. Regardez, je suis déjà à jour. Bon bah c'était cool, j'ai les yeux fatigués là. Bon bah j'espère que ça vous a plu ce petit live entre nous, en toute intimité. On verra demain si ça a bien pris. Je vais juste rester sur quelques lives en idle. Comme ça les mecs restent directement sur...
Super. Putain, je reçois full DM. Je suis vraiment à chaud. J'espère que j'ai pas eu ma photo vers le pouce, vers le bas, les gars. Une petite coquine. Je suis une petite coquine, non? Est-ce que je suis une petite coquine, les gars? Je suis une petite chatte, non? J'ai supprimé toutes mes photos. Je veux juste une photo de toi par ici. Avec le pouce. Putain. Qui s'est abonné, les gars? J'ai pas vu. Ah, c'est Denkyo. Merci, Denkyo. Check Rakai, frérot. Et Azerty pour la Tesla. Merci en pilier en plus. En pilier. Vas-y, je t'envoie ça. Oh les gars, c'est une masterclass. Oh, c'est une masterclass, les mecs. On va se quitter là-dessus avec une photo d'Antoine. Imagine, il m'envoie sa beuteux qui porte à droite, les gars. C'est sûr que si t'aimes les petites, c'est pas chez moi. Mais regardez ce qu'il m'a mis, les gars, le mec. Regardez ce qu'il m'a mis. Allez, la photo, putain, et on se quitte là-dessus. J'ai les yeux qui piquent, là. Allez, 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 allez. La croix avance, les mecs. Merci, Azerty, hop. Comment tu vas? Tu étais là depuis tout à l'heure ou pas, mon petit Azerty? Quand ça resub, j'ai envoyé un message, j'ai parlé au staff, mais bon, franchement, YouTube, bon, au moins, ce qui est bien, c'est que tu peux échanger avec un modérateur assez rapidement, ce qui est un chat et tout, ça c'est vraiment cool par rapport à Twitch. Mais le problème, c'est que j'aurais demandé ouais, d'avoir des nouvelles fonctionnalités, enfin des nouveaux trucs, genre la possibilité de faire le subgift, par exemple. Il n'y avait pas que ça, j'ai aussi demandé pas mal de trucs, mais il pouvait pas. Il m'a dit ouais, c'est les développeurs et tout, mais le développeur, leur mail il marche pas, enfin c'est un vieux mail. Et puis voilà quoi. Je sais pas si je fais un covering, je vais prendre la couleur grise, les mecs. Merci en tout cas pour l'argent. Et à voir si franchement je reviens et que je me refais la cerise grâce à Twitch, les mecs, quand je reviendrai sur Twitch et j'aurai un peu plus de moyens, je ferai peut-être un covering couleur mat gris. Je trouve ça super beau et au moins ça, il paraît que ça protège la peinture en plus. Et... J'attends, sinon il va croire que tu as lâché un vu et pas le faire. Ok. Mais non! C'est masterclass! Enfin! Oh putain, la MC qui tombe à la fin de live! Oh putain, c'est bon ça! Et quel meilleur shit!
te mettrai Modo. T'as l'air gentil. Oh putain. Bon courage pour le taf. Je suis gentil quand même. Putain, masterclass. Gentillette. Ah ouais, gentillette, c'est... Putain, il a vraiment envoyé une photo de lui. Il y a un gars... qui... Oh putain, Charo number one. Putain, j'ai réussi mon pari. Merci Azerty, c'est gentil. Pas de cœur comme ça, c'est cramé. Personne fait de cœur au bout de trois messages. Ah ouais? Ah, ça va, ça va. Je te baisse quand tu veux. Si tu savais comme je suis chaud. Bon bah voilà, on a rempli l'objectif, hein. Bon bah c'était cool. Une photo avec pouce. Vers le bas. Bon bah on a gagné hein. Merde, j'ai mis putain. Merde, j'ai déconné. Je deviens sombre. Bon allez, vas-y. Je deviens trop sombre les gars. Tu es sombre avec Xanix. On enregistre la photo du charo et demande des photos avec d'autres moves. On n'y prend pas trop gros là. MDR le choc. Tu veux une photo de ma queue? Putain, je suis un enfant. Bon, ce live ne restera pas dans les annales, hein, malheureusement, mais bon, au moins, on aura rigolé. Le mec, il fout le trop. Là, les gars, tous les profils, je vais full troll, là, les gars. Bon, allez, je vais dormir. J'arrête. Je commence à y prendre goût à troll là-dessus. Je fais n'importe quoi. Bon, prenez soin de vous, les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir de me voir tard la nuit pour la petite after. Et continuez à venir sur les lives, les gars. Et faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, on se fait plaisir. On rigole et puis voilà, bonne nuit, merci Maud. Merci de Joaquin, University Bio, Alexandre, Quentin, de Joaquin, AS Corps, Bart, Roro, Silly, Skyfilter, et Tutti Quanti. Bonne nuit les gars, j'ai passé une très très bonne soirée, je suis fatigué là. J'espère que ça vous a plu et dormez bien. On se voit demain peut-être, on verra si j'ai le temps de stream. Demain c'est week-end je crois en plus. Merci pour Red Dead, ouais. Red Dead, on a duré quand même le Red Dead, on a fait combien de temps? Ça a duré longtemps, hein. Je sais plus. On a fait quoi, 3h, 4h? Faudra voir la rediff. Allez, Maud va lancer un live sur Twitch. Ah ouais, c'est une Twitcheuse maintenant, Maud. C'est vrai qu'elle stream sur Twitch, hein, ceux qui veulent aller voir ce qu'elle fait. Tu reçois des DM comme ça sur Twitch? Non, tu vas pas recevoir des DM sur Twitch, non, je pense pas. Photo de ma queue. J'ai mis con, toute ma queue. Pardon. Ah oui, il faudrait que demain j'installe BF. Pour tester. On verra ça. Bon allez, je coupe Axe. Ah merde, putain.